Salut les Magicos, alors on change d'ambiance. Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement. Parce que voilà, souvent on confond magicien, mentaliste. Le mentaliste est très confondu avec la voyance, les médiums, le spiritisme. Et je trouvais ça hyper intéressant de vous raconter très rapidement, sinon ça prendrait des heures, un petit peu l'histoire du spiritisme. Et de vous expliquer quelques petits effets rapides du spiritisme. Donc la table tournante, le Ouija, le pendule, les cartes, voilà, les cartes de tarot, voilà comment ça fonctionne à ce niveau-là. Alors, je m'enfume, c'est l'esprit m'a enfumé. Alors, il faut savoir, le spiritisme a commencé à se faire connaître à peu près dans les années 1800. Je vais pas parler de la sorcellerie tout ça, puisqu'en fin de compte, si on regarde, j'irai dans l'histoire de l'humanité, tout ce qui est lié à la sorcellerie, à la magie, a toujours existé. Vous prenez même à l'époque préhistorique, il y a toujours cette notion de mage, de magie, etc. Parce que voilà, quand on ne savait pas expliquer, il y avait une forme de magie derrière. Donc on va plutôt vraiment parler du spiritisme, et donc le spiritisme a été mis en l'occurrence en avant donc aux États-Unis par les Sir Fox. Je vous invite à regarder sur Wikipédia, vous tapez les Sir Fox, vous aurez toute une information au niveau de leur histoire. C'est très intéressant et vous allez apprendre effectivement pas mal de choses. Donc moi j'ai pas une mémoire infuse. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en était. Donc elles étaient trois. Donc il y avait Margaret, Maggie et Kate, dont une des sœurs qui était beaucoup plus âgée que les deux autres. Donc faut savoir effectivement que donc elles ont vécu à partir de 1848 dans une petite ferme donc qui était censée être réputée hantée dans l'état de New York. C'était une vieille maison et il y avait cette fameuse réputation comme quoi la maison faisait beaucoup de bruit, il y avait pas mal de craquements, etc. Et on estime voilà que ça a amusé les deux sœurs les plus jeunes, que ça les a amusées. Et à un moment donné, dans leur justification, elles se sont amusées à dire bah, tiens, qu'il y avait un esprit qui leur parlait. Et donc cet esprit, ils l'ont appelé donc en France Split Foot. Nous, on l'a traduit en pied fourchu en France. Et donc il donnait des coups pour répondre. En disant bah voilà maman, voilà en fait c'est pas nous qui faisons le bruit, c'est pied fourchu qui fait du bruit et il nous répond. Et donc la mère se dit bah mince, qu'est-ce qu'elle me raconte mes filles. Bah tiens, si vous avez vraiment un esprit, je lui posais une question et dont seul moi j'ai la réponse. Combien ai-je d'enfants en totalité? Alors enfin, ça veut dire qu'elle a eu pas mal d'enfants, dont des enfants décédés, et étonnamment, pied fourchu fait un craquement, et il y a plusieurs craquements qui correspondent au nombre d'enfants qu'a eu la mère. Oh, la mère étonnée, etc. Je pense qu'elle avait peut-être à cet esprit-là, en tout cas, un esprit fragile, et elle s'est mise à en parler à quelques voisins. Ça a fait le tour de la ville, ben, du village en tout cas. Et je pense que ça amusait les filles et elles se sont donc amusées à faire parler ces fameux esprits. D'où la mise en place des fameuses tables tournantes. Les gens se réunissaient autour d'une table, comme celle-ci par exemple, et la table se mettait à bouger, à faire du bruit, à répondre. Donc les gens posaient les mains comme ceci. Et elle posait différentes questions. C'était des séances qui prenaient longtemps, une heure, deux heures, trois heures. Et à un moment donné, l'esprit était présent et il se mettait à parler. Donc un coup pour oui, deux coups pour non, et ça répondait comme ça. Et je pense que ça a mis même pas moins de 6 ans a priori pour que ça fasse le tour et qu'on se retrouve avec des millions, vraiment des millions de personnes qui étaient vraiment attirées, adeptes du spiritisme. Ça a
tellement été mis en place que même en France, il y a eu effectivement un courant du spiritisme qui a été mis donc en avant donc par Allan Kardec. Donc Allan Kardec est le nom qu'il a eu à la suite une fois qu'il a mis en place donc le spiritisme. Donc on est 1857, quelqu'un qui donnait des cours, qui avait une bonne noblesse, quelqu'un qui avait de l'argent, et un jour on lui a proposé d'assister à une séance de table tourne. Il y croyait pas du tout, et puis il a fini effectivement par y assister. Il était complètement médusé, il a commencé à vouloir s'y intéresser. On lui a proposé de traduire différents ouvrages qui étaient liés au spiritisme, donc il a fait, et donc ses livres se sont énormément vendus et ça a mis énormément en avant le spiritisme en France. Il faut savoir que le spiritisme, ben voilà, on est dans les années 1800, on est début l'électricité, on est sur l'industrialisation. Donc je pense que déjà l'électricité était déjà un effet magique. Alors le fait de faire bouger des tables tournantes, c'était quelque chose d'hyper magique. Vous allez vite comprendre, en vous faisant des explications, vous allez vite comprendre qu'à notre époque, voilà, pour moi c'est plus possible d'y croire. Alors on a eu effectivement des personnes très connues qui l'ont mis en avant. Vous avez donc Victor Hugo, il assiste à plusieurs séances de spiritisme, et un jour sur une séance, l'esprit soi-disant de sa fille qui était décédée quelques années auparavant, relativement jeune, avec son mari, elle s'est noyée lors d'une balade en bateau. Il s'en est jamais remis, et donc l'esprit de sa fille se serait mis à parler, à communiquer à travers les tables tournantes. Et donc forcément vous avez Victor Hugo qui se met à parler des tables de spiritisme. Voilà, c'est que demander mieux pour mettre en avant ce phénomène-là. Vous avez aussi, alors on va dire plus du côté anglais, vous avez effectivement l'auteur de Sherlock Holmes, Conan Doyle, qui aussi a mis en avant le spiritisme. Il a aussi assisté à des séances de spiritisme. Sa conjointe en faisait partie. Il n'avait pas d'explication, il ne comprenait pas comment ça fonctionnait. Je vous invite à regarder la série, alors c'est une mini-série sur deux épisodes, Houdini, qui parle effectivement du spiritisme à un moment de sa vie, et en l'occurrence avec son ami qui était donc l'auteur de Sherlock Holmes. Vous avez effectivement une partie liée au spiritisme et comment Houdini a essayé une bonne partie de sa vie de démonter tout ça. On va arrêter sur la partie histoire, on va aller attaquer sur les séances, sachant qu'en plus les sœurs Fox, à la fin de leur vie, ont complètement démenti en disant voilà qu'ils avaient menti. De toute façon elles ont fini complètement ruinées, elles sont mortes relativement jeunes, malades, montant effectivement que le point de départ de toute façon ne tenait pas. Donc les gens avaient par exemple les mains comme ça, ont posé les mains sur la table. Alors souvent c'était une des grandes tables avec trois pieds, moi j'en ai quatre, mais vous verrez que c'est relativement facile de le faire quand même. Donc les gens mettaient les mains comme ça, et voilà, esprit, esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Esprit, esprit, es-tu là? M'entends-tu? M'entends-tu? Si tu m'entends et si tu es là, vas-y, tape sur la table, je t'invite à bouger la table et à faire un seul coup. Bouge la table, s'il te plaît. Alors les gens avaient les mains, surtout là, tout le monde avait les mains comme ça, et à un moment donné, tranquillement, esprit, es-tu là? Et la table se levait, un coup, la table s'est levée, voilà, les mains sont restées, hein, j'ai absolument pas bougé les mains, et la table s'est levée, vous l'avez vu, elle a bougé. Alors, les gens étaient estomaqués. Si on voulait faire par exemple pour esprit, est-ce que tu veux me donner ton nom? Un coup pour oui, deux coups pour non. Esprit, veux-tu me donner ton nom? Un coup pour oui, deux coups pour non. Esprit, es-tu présent? Un coup pour oui, un coup pour non. Ah, il ne veut pas me donner son nom, vous avez vu que la table a bougé deux fois. On pouvait même faire bouger la table bien plus longtemps, hein, voilà, simplement de faire comme ça. Voilà, et pouf, vous voyez que tout de suite la table se lève, hein, je ne fais absolument rien, mes mains sont comme ça, et la table bouge tranquillement, et on peut la reposer tranquille. Les gens pouvaient pousser, hein. On pouvait pousser, regardez, je vais essayer de vous le faire. Et vous voyez que si j'appuie, je mets même tout mon corps, je suis incapable de bouger la table. Elle ne se lève absolument pas, parce qu'elle est lourde. C'est une table qui est quand même très très lourde. Ouais, elle est lourde. C'est une table qui est lourde.
Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Juste terminé, on pouvait même faire, même déplacer la table sur le côté, hein, ça fonctionne sans problème, même la faire venir vers les gens. Donc, on va le faire comme ça, regardez. Esprit, es-tu là? Si tu es là, s'il y a une personne sceptique sur, voilà, sur cette séance, je t'invite à te manifester contre cette personne. Manifeste-toi sur cette personne maintenant. Vous voyez que la table elle a complètement bougé sur le côté. Comment ça fonctionne? C'est en fin de compte très simple. Alors, ça fonctionne très bien sur des pieds à trois pieds. Sur quatre, c'est un petit peu plus difficile, mais ça fonctionne aussi. Et vous voyez que même sur une table lourde, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Donc faut pas appuyer sur la table. Parce que vous appuyez, en fin de compte, vous allez donner une pression, elle va pas se soulever. Donc en fin de compte, il faut amener la table vers soi. Tout simplement. Et voilà, et c'est comme ça, regardez, juste en l'amenant comme ça, légèrement, effectivement, à ce moment-là, elle va se soulever. Tout simplement. Voilà, et on relâche. Hop, et regardez, c'est très facile. Pour l'amener sur le côté, ben c'est simple, on va donner une pression sur la droite ou sur la gauche. Je peux l'amener et à ce moment-là, elle va se déplacer. Et pour pousser la table, il suffit simplement de la pousser vers soi. Et tac, étonnamment, comme elle tient que sur un pied ou deux, elle va tout de suite rapidement bouger. Un peu, voilà. On a un axe beaucoup plus important. Alors, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas beaucoup de place. Et puis, je risque de faire du bruit chez les voisins. Mais vous avez compris le principe. Voilà. Il suffit simplement de décaler les mains, donner une pression sur l'un sur l'autre. Et elle va tout de suite bouger énormément puisqu'elle tient plus que sur un pied ou deux. Donc ça, voilà, c'était comme ça qu'on faisait. Alors souvent, alors elles utilisaient des fois un complice, donc les gens avaient se focalisé sur le médium, alors que c'était le complice qui faisait bouger la table, par exemple. Et on voyait que même, voilà, si avec un petit peu de musculation et juste en, on peut pas, comme on fait pas de pression sur la table, qu'on amène simplement légèrement la table sur soi et que ça la soulève rapidement, c'était indétectable à l'époque. On va parler du pendule et des tables Ouija. Donc la table Ouija, vous aviez, donc moi je l'ai pas, mais voilà, moi je l'ai imprimé, mais c'était en bois. Vous aviez donc une goutte comme ceci, et donc les gens mettaient légèrement les doigts comme ceci, très léger. Faut vraiment pas appuyer, c'est tout léger, les mains surélevées, et vous êtes plusieurs, et vous allez vite vous apercevoir qu'elle va bouger. Donc je vais mettre ça pour éviter que ma table bouge, voilà. Donc les gens mettaient les mains comme ça. Si vous mettez les mains comme ça, ça ne fonctionne pas. Voilà, on a bien les mains surélevées. Les gens appuient légèrement. Et effectivement, à un moment donné, ça se mettait à bouger. Regardez, c'est absolument pas moi qui fais bouger. Ça bouge. Comment ça fonctionne? C'est pas compliqué en soi, ça prenait une séance, voilà, la goutte ne bouge rarement au début, elle va bouger parce qu'à un moment donné il va y avoir une fatigue musculaire et donc forcément les gens vont pas s'apercevoir que c'est eux qui la font bouger eux-mêmes puisqu'en toute façon ils sont plusieurs et à un moment donné le mouvement va se mélanger entre plusieurs personnes et la goutte va bouger, se déplacer à droite, à gauche. Par exemple, ah ouais mais je l'ai peut-être tiré vers le bas mais de toute façon elle est partie vers la gauche, etc. Donc voilà, il y avait vraiment un mécanisme hydromoteur qui faisait bouger la goutte. Alors vous allez me dire, mais ouais, ok, peut-être pour la partie musculaire, mais ça n'empêche pas qu'elle pouvait répondre. Comment elle pouvait, l'esprit répondait à des questions qui étaient plutôt justes. Même si la personne n'avait pas la réponse, on sait que inconsciemment, beaucoup de personnes connaissent la réponse. Mais si vous posez la question comme ça, directement, vous allez me dire, non, j'ai pas la réponse. Inconsciemment, vous l'avez. Le fait d'avoir un support dans les mains va persuader votre inconscient d'y répondre plus facilement. Et effectivement, la personne inconsciemment répondait au niveau moteur. Et c'est le même principe que le pendule. Le pendule est un mouvement hydromoteur, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous prenez le pendule, à un moment donné, vous allez créer des mini-vibrations musculaires et votre pendule va commencer à répondre
à tourner ou à faire ce mouvement-là. Et pour répondre, inconsciemment, les gens connaissent déjà les réponses. Voilà, les gens, est-ce que je vais changer de travail? La personne est encore un peu floue, mais elle commence voilà, à se poser des questions, à s'imaginer, etc. Inconsciemment, elle sait qu'elle a envie de changer de travail, elle le sait. Et dans ce cas-là, le pendule va répondre dans ce sens-là. C'est aussi simple que ça. Et vous allez me dire, oui, mais comment les voyants font pour répondre aux cartes? Comment les questions répondent aux cartes? Comment les cadres répondent? Ou comment font les voyants qui n'ont pas forcément de support pour pouvoir répondre à un symbole? Alors, on s'est aperçu que les meilleurs voyants, ceux qui avaient la meilleure taux de réussite, c'était ceux qui avaient une capacité à analyser la personne qu'ils avaient en face. Comme nous, les mentalistes, qui ont une capacité à observer la gestuelle, la corporelle de la personne. Et donc, on va répondre sur des questions d'ordre général. Et on va faire ce qu'on appelle un système d'entonnoir, en anglais, ce qu'on appelle du cold reading, de la lecture à froid. Je vous fais une séance, là, comme ça. On va mélanger les cartes. Je mélange les cartes, comme ça. Voilà. Voilà, vous allez couper. Vous coupez le jeu, donc vous le sentez. Donc on mélange tranquillement les cartes. Et vous allez couper de la main gauche. Comme ceci. Parfait. Vous prenez trois cartes. Une, deux, trois cartes. Et je vais regarder. Alors nous avons. Je vais le faire par rapport à moi. Tiens, je vois une union. C'est la carte de l'union, la famille et l'héritage. Est-ce que ça vous parle? Moi, je vais faire pour moi l'union. Oui, c'est quelque chose qui me parle. Effectivement, je me suis séparé il y a peu de temps et j'ai retrouvé quelqu'un récemment. Donc oui, ça me parle. Ça me parle. Et donc c'est vrai que je me pose des questions par rapport à cette femme, voilà, avec ses enfants, etc. Qu'est-ce que ça peut donner, hein? Effectivement, il y a cette union-là, des interrogations qui se posent. Franchement, ça va interroger tout le monde. La famille, voilà, il y a quelque chose en ce moment au niveau de votre famille, au niveau de... Non mais là, je vois peut-être quelque chose au niveau de l'union, quelque chose au niveau de la famille, une question d'héritage. Ah, oui, c'est vrai que j'ai mon papa qui va divorcer. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça que j'ai vu. C'est ça, oui. En fait, l'union, c'est pas par rapport à vous, en fait. C'est par rapport à votre papa et au niveau de la famille. En fait, c'est ça, c'est votre papa qui est en train de divorcer. Et donc, il y a cette notion d'héritage. Et effectivement, au niveau de l'héritage, votre papa, il fait quoi dans la vie? Je réponds. Bah, en fin de compte, mon papa, il est directeur commercial. C'est ça, en fin de compte, comme il va divorcer, donc il va revoir certainement au niveau de l'héritage. Et je pense que vous risquez de gagner quelque chose d'intéressant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette séance? Je suis parti, en fin de compte, sur des choses générales. Là, vous avez vu, hein, j'ai pas cherché les cartes. Union, ça parle à tout le monde. Vous soyez en famille, vous soyez marié, divorcé, ça parle. La famille, enfant, famille, parents, ça parle à tout le monde. Héritage, ça parle à tout le monde. Voilà, quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui est décédé, la famille, etc., ça parle. Ça parle forcément. Ce n'est que de l'interprétation. On peut le refaire avec d'autres cartes si vous voulez. Mais ça parlera à tout le monde. Prenez trois cartes. Une, trois cartes. Alors, j'ai la beauté, le bonheur et la renommée. Beauté, renommée et bonheur. Voilà. Je peux encore mélanger avec, mais... Donc la personne a dit, tiens, vous avez trouvé donc la beauté, la renommée et le bonheur. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes venu pourquoi? Pour un nouveau travail, d'accord. Travail, mais écoutez, là je vois la beauté, la renommée et le bonheur. Écoutez, vous faites quoi dans la vie? Écoutez, je viens de quitter une société, j'étais courtier en assurance vie et je suis magicien professionnel. Écoutez, c'est ça, c'est tout à fait ça.
ça me parle. Effectivement, la beauté avec le côté artistique. Voilà, et donc là, vous avez la beauté, la renommée et le bonheur. Sincèrement, foncez dans ce métier-là. C'est quelque chose qui est fait pour vous. Voilà, ça vous met en valeur. Vous allez avoir de la renommée par rapport à ça. C'est voilà. Alors, ça va prendre qu'un peu de temps, mais c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de satisfaction personnelle. Vous êtes fait dans ce métier-là. Alors, il y aura peut-être des difficultés, mais voilà, vous allez effectivement avoir une bonne renommée. Et voilà, c'est votre métier. Foncez. Allez-y. Vous voyez. Peu importe les cartes que je prends, je peux l'associer à mon métier d'aujourd'hui, que ce soit dans la famille, voilà. Comment ça fonctionne? Je parle de faits généraux. Famille, travail, santé, argent, bonheur. Vous allez cibler tout le monde. Call reading. Je vais capter les informations par rapport à la personne. Ah, est-ce que ah, vous êtes venu, voilà, c'est quelqu'un de votre famille? Ah, non, 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 c'est non, moi que c'est un ami. En fait, j'observe la personne, j'ai tout de suite la réponse. Je vais partir de fait général et je vais creuser. Voilà. Ah, vous avez donc on avait vu tout à l'heure héritage. Ah, il y a quelqu'un qui est décédé récemment proche de vous. C'est de la famille? Proche de vous, c'est forcément quelqu'un d'essayé, c'est forcément quelqu'un de proche de nous en général. C'est de la famille. Non, 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 mais par contre, c'était quelqu'un de votre ami et vous y étiez très proche. C'est pour ça que j'ai vu de la famille. Et on va creuser comme ça. Je vais pas m'éterniser plus longtemps sur cette petite vidéo. Voilà, le but était voilà de désamorcer comment fonctionnait un peu tout ça. Mais voilà, le but c'est voilà d'être le plus critique possible. Moi, je vous dis en tout cas à très bientôt et surtout si vous avez des questions par rapport à cette vidéo qui est un petit peu générale, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, salut les magicos, bye bye! Bonjour à tous. Alors, on va parler sur cette vidéo du magnétisme. Oh oui. Oh que oui. Vous avez été très, 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 très nombreux à m'avoir parlé du magnétisme. Accessoirement, un peu des guérisseurs et aussi des barreurs de feu. Et pour pouvoir parler du magnétisme, ça tombe bien, on va parler de l'hypnose. Vous allez me dire, c'est quoi le lien entre le magnétisme et l'hypnose? Et ben, vous allez vite comprendre. Et ça tombe bien parce que l'hypnose, c'est un peu ma paroisse, c'est mon domaine de compétence. Ça fait plus de 10 ans que je fais de l'hypnose de spectacle et aussi de l'hypnothérapie. Et donc, pour pouvoir parler du magnétisme, il faut remonter loin, loin en arrière, c'est à savoir au XVIIe siècle. Et on va parler d'un fameux docteur, Anton Mesmer. Ah, pas faut confondre avec Mesmer que vous voyez à la télé. Hein. Là, il y a qu'un S, hein, et s'il vous plaît, vous m'arrêtez de me parler de Mesmer qu'on voit sur TF1. Bref, on va monter au XVIIe siècle. En effet, c'est en 1766 que le docteur Frank Otto Mesmer soutient à Vienne une thèse intitulée De planétarium influctus in corpus humanus. Alors c'est une théorie sous laquelle effectivement tous les corps vivants sont soumis aux astres par l'action d'un fluide magnétique universel à répandre. Et donc, bah, la maladie sera effectivement la conséquence d'un déséquilibre de ce flux. Qu'à l'époque, on parlait pas du tout de la médecine comme on la connaît aujourd'hui. Hein, on parlait effectivement plus du spiritisme, voilà, du diable, etc. Hein, il faut vraiment bien situer l'époque d'aujourd'hui, hein, de l'époque. Et donc Mesmer est convié effectivement à donner sa théorie à l'Académie des sciences de Munich. Et puis entre guillemets, bah, Mesmer il est là par rapport à un certain abbé qui fait donc un exorcisme. Il décortique un petit peu la science, il regarde ce qui se passe et il en conclut. Qu'il n'y a pas forcément la manifestation du diable ou quelque chose comme ça, mais qu'en fin de compte, c'est on dire, la présence de l'abbé, une forme d'aura de l'abbé qui effectivement a pouvoir
sur le sujet, ce qu'on va appeler par la suite le magnétisme. Et donc ça, ça change tout. C'est-à-dire que le pouvoir, à l'époque, n'est plus dans le démon, mais dans le praticien. Le pouvoir, c'est dans les mains du praticien. Et à l'époque, ça, c'est, entre guillemets, révolutionnaire. Donc voilà, donc il commence à se faire connaître par rapport à sa théorie. On raconte aussi qu'il a commencé même à rapprocher les milieux au niveau de la musique, en l'occurrence même Mozart. Et on raconte aussi, effectivement, qu'il a pu soulager, effectivement, les maux d'une musicienne qui souffrait de cécité. Et on raconte même qu'effectivement, bah, ses parents étaient même un petit peu gênés que l'enfant était, entre guillemets, guéri. Parce qu'il touchait une pension, entre guillemets, d'invalidité par rapport à la musicienne, et ça, c'était plutôt dérangé. Et puis donc, pas loin d'un scandale, donc Mesmer quitte donc Vienne en 1777 pour partir à Paris. Et il commence même à écrire un ouvrage sur donc, le magnétisme animal. Et donc, Mesmer commence à pratiquer de plus en plus, et à améliorer sa technique. Il commence à faire ce qu'on appelle des passes magnétiques, une sorte de passe sans toucher le corps de l'autre, censé effectivement créer un fluide animal et guérir effectivement les sujets. Et puis ça va même très dans le folklore, hein. Il crée aussi une sorte de cuve en cuir avec des cornes, à l'intérieur il met de l'eau, des éléments de fer, etc. Donc les patients tiennent les cordes. Lui, voilà, il se balade dans la pièce, il fait ses passes magnétiques. On arrive à des transes, comme ça. Et puis donc, il y a des pièces à l'extérieur où les pièces sont un petit peu voilà, molletonnées avec des matelas, etc. Et on peut continuer effectivement à entre guillemets, à faire des transes, on verra, des transes hypnotiques, entre guillemets, par la suite. Il y a de la musique très étrange, voilà. On est très dans le folklore, c'est fou. Voilà, c'est très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec le magnétisme aujourd'hui. Mais voilà, il y a un côté très théâtral dans ce que pratiquait effectivement Mesmer. Et puis donc effectivement, bah, comme il y a un côté très folklore, dans ce qu'on va appeler le mesmérisme, bah, commence à grandir sur Paris. Et ça arrive à un moment donné, à la cour du roi. Et même la légende raconte qu'un des élèves de Mesmer, Delonne, aurait effectivement fait du magnétisme sur Marie-Antoinette et qu'elle serait tombée dans les vapes. Ça reste une légende. Et a priori, le roi n'aurait pas forcément été très content de cette situation. C'est un privilège qui est uniquement réservé au roi de pouvoir évanouir la reine. Et donc le roi aurait effectivement fait appel à une commission pour pouvoir enquêter sur effectivement le magnétisme, le mesmérisme. Et donc on fait même appel, à cette époque-là, c'était limite au plus grand savant de l'époque. Il y avait même Franklin. Et donc tous se réunissent, on reproduit les protocoles et les passes de Mesmer. Et vraiment, voilà, c'était vraiment à l'époque quelque chose de vraiment, je dirais, peut-être jamais fait à l'époque, avec un tel niveau de recherche scientifique. Il y a eu vraiment tout un protocole pour reproduire ce que faisait effectivement se mettre à la place de Mesmer, hein, donc reproduire tous les protocoles, apprendre effectivement toutes les passes. Et il y a même la notion de l'époque de ce qu'on appelait effectivement les expériences à l'aveugle. Donc à l'aveugle, c'est-à-dire effectivement en aveugle simple ou en double aveugle. Je ne rentre pas dans les détails, je vous invite plutôt à regarder au niveau de la zététique par rapport à ça si vous voulez des éléments entre simple aveugle et double aveugle. Alors, et donc, qu'est-ce qu'ils en ont conclu ? Ils en ont conclu que le magnétisme n'existait pas. Donc, c'est pas le magnétisme, qu'est-ce que c'est ? Ils ont simplement conclu que c'était donc à l'imaginaire des sujets. Un des protocoles qui avait été mis en place, par exemple, était effectivement d'avoir pris les sujets de Mesmer, de les avoir amenés dans la cour du roi, et leur avoir dit effectivement que tous les arbres avaient été magnétisés au préalable par Mesmer. Pas manqué, effectivement, les sujets commencent à se mettre autour des arbres et on commence à assister des transes. Très impressionnantes. Par contre, ce que n'avaient pas effectivement oublié de préciser les scientifiques, c'est que Mesmer n'avait absolument pas du tout, du
tout magnétisé les arbres, il s'était absolument rien passé. Mais pourtant, il y avait effectivement des transes qui s'étaient produits au niveau des sujets. Donc, s'il n'y avait pas effectivement de magnétisme à ce moment-là, quelle était forcément la conclusion? C'est qu'il y avait autre chose, et ça a été donc un des éléments concluants, que c'était donc lié à l'imagination des sujets. Pas manqué, le magnétisme a été interdit en France. Alors, ça fait un petit peu pub au départ sur Mesmer, mais à un moment donné, comme cet élément était interdit, il a dû partir de la France. Il a fini sa vie en Suisse allemande, où il en est, il en est mort et oublié de tous. Ses disciples ont un petit peu continué ses travaux, mais pas du tout avec la même approche de l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont pris la notion de l'imagination, on a commencé à oublier les trans magnétiques, les passes magnétiques, et à effectivement plus se concentrer sur l'imagination du sujet, et on n'était pas du tout sur le côté très oral, beaucoup moins théâtral. Alors il a fallu attendre encore pas mal d'années pour qu'on parle vraiment de l'hypnose à proprement parler. À partir du 19e siècle, pardon, on commence à parler du sommeil lucide. C'est pas encore vraiment à l'hypnose comme on en parle aujourd'hui. Il faut comprendre le contexte. Hein. On est à l'époque au XVIIe siècle. On est encore entré dans la religion. Il n'y a pas du tout la notion de médecine comme aujourd'hui. Comme je vous dis, on parlait encore à l'époque de l'exorcisme, ce genre de choses. Donc, dire effectivement que les sujets avaient lié à leur imagination une capacité à s'auto-guérir, c'était mal vu. Mais pourtant, c'était quand même des conclusions de l'époque. Et donc, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Que ce soit le magnétisme, les guérisseurs, les barreurs de feu, on est dans la même typologie. C'est-à-dire que ça n'est pas effectivement le magnétiseur qui a un pouvoir sur vous, mais c'est vous qui avez un pouvoir sur vous-même lié à votre imagination. Et ça, ça change tout. C'est de l'autosuggestion. Et si c'est de l'autosuggestion, c'est de l'hypnose. Si c'est de la suggestion, c'est pour ça que je parle régulièrement de l'effet placebo et nocebo. Et vous allez me dire, ouais, mais ça fonctionne chez les animaux. Ça fonctionne aussi chez les enfants. Il faut savoir que chez les animaux, comme il n'y a pas la notion de langage, ils ont effectivement une capacité très importante à analyser le comportement de leur maître. Et donc, si le maître va être persuadé que ça va faire du bien à l'animal, l'animal va le ressentir, et s'il le ressent, lui aussi va être sujet, de manière inconsciente, il va aller mieux. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement le même principe pour l'enfant. Un bébé, s'il voit que sa maman, elle va prendre son enfant, elle va dire, bah, tiens, il sent mieux, donc l'enfant va analyser le comportement de la mère, et inconsciemment, il y a un effet rétroactif, il va sentir mieux. C'est le fameux bisou magique. Un enfant, il se fait bobo. Maman, au secours, c'est une brute, elle veut me faire du bobo. Les rages, n'abandonne pas, mon grand, continue, ta maman est là, si jamais cette fille te fait du bobo. Ah, en fait, je me fais bobo, j'ai mal. Maman va faire un petit bobo, un petit bisou, et étonnamment, l'enfant aura plus mal. Pourtant, c'est pas magnétique, c'est pas, il n'y a pas de magnétisme derrière, c'est juste un bisou. Et pourtant, ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère vous avoir éclairé le mieux que je peux et rapidement, sur une simple vidéo, ça prend du temps, sur la base du magnétisme et les principes qu'on en reconnaît aujourd'hui. Donc, non, le magnétisme, ça n'existe pas. Je pense qu'il est quand même préférable de se dire que c'est nous qui avons un pouvoir sur nous-mêmes que de se dire que c'est de se laisser dans les mains d'une personne et de penser que c'est elle qui a un pouvoir sur nous. Je trouve ça tellement plus dommage. Ayez confiance en vous, en vos capacités. Je trouve ça beaucoup plus probant. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, ça va avancer, la vidéo sur la voyance. Ne vous inquiétez pas, ça prend du temps. Moi, je ne suis pas youtubeur, je suis magicien à la base et je fais de l'hypnothérapie. Donc je prends du temps pour essayer de vous faire des vidéos de qualité. J'espère que vous les appréciez. Je vous invite, si vous avez aimé, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir.
à partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que demain, ben, on puisse faire évoluer tout ça. Moi, c'est vraiment mon but aujourd'hui. Allez, salut, bye bye. Très bien, tu as gagné, tu l'emportes. Mais dis-moi, comment tu as deviné? Oh, je me suis tout simplement dit que des tarés comme vous allaient faire ce qu'il y a de plus simple. Oh, oui, mais... Ouais, je comprends beaucoup mieux, je t'ai sous-estimé, Larson. Yourself, you like to keep fit. Yeah. When you were younger, you were much thinner. Yeah. There's a memory from when you were young, where you are hurting or you are suffering, and you're trying to escape from something. And it is summery, and there is grass and other children, and yeah. You are having lots of fun. And then you have a panic in your mind because. Something bad is happening. You are in water. This is here somewhere in London, in the north of London, and you panic. Yeah? Yeah. Because you are drowning in the water, yeah? Yeah. Is this true? True. This is real. You were very small, yeah? Yeah. Yeah, maybe 6 or 7, something like this? Yeah. Yeah. And you're with your brother? My dad. Okay. Sometimes I'd like to see memories. Thank you. Bonjour ou bonsoir à tous. Alors sur cette vidéo, je vais vous énumérer très rapidement quelques techniques utilisées par les médiums et les voyants. Mais juste avant de regarder en détail, je veux d'abord vous préciser que pour moi, la médiumité ou la voyance sont deux choses complètement différentes. En effet, un médium va prétendre entendre une voix de l'au-delà, donc en gros, entendre une voix des morts. Et oui, ils entendent des morts. Et un voyant va prétendre pouvoir prédire l'avenir avec support, carte pendue, boule de cristal, marc de café, j'en passe, et des meilleurs. Quand l'un entend des voix des morts, l'autre entend des voix de l'avenir. Mais ce qui est plutôt surprenant, c'est qu'effectivement sur ces deux disciplines qui sont quand même relativement différentes, en général un médium a tendance à dire qu'il est voyant et qu'un voyant est médium. Comme quoi, effectivement, que quand on a envie de s'accaparer des dons particuliers, on en trouve relativement facilement. Bref, je ne ferai pas de distinguo donc effectivement entre la médiumité et la voyance qui vont effectivement utiliser des techniques similaires, utilisées donc par les mentalistes. Mais je souhaite aussi d'abord vous préciser qu'un mentaliste est donc capable d'utiliser des techniques que vont utiliser les médiums et les voyants, mais qu'à contrario, effectivement, ce sera beaucoup plus difficile pour un voyant, un médium, de se faire passer pour un mentaliste. En effet, un mentaliste est capable de se faire passer pour un médium ou un voyant avec un taux de résultat en général équivalent, voire meilleur. Je précise, meilleur. Je ne présuppose pas effectivement que les voyants ou les médiums sont des charlatans. Dans le sens où effectivement certains ont conscience de ce qu'ils font et d'autres pas. Il est biaisé souvent de s'apercevoir qu'on a des résultats relativement bons et d'oublier rapidement les résultats mauvais. Ce qui pourrait effectivement... m'arriver si effectivement je n'avais pas baigné dans l'art artistique de pouvoir prétendre que j'avais des dons effectivement puisque j'ai un taux entre guillemets relativement bon dans le col reading suite à un travail acharné dans cette discipline. Mais dans aucun cas, je précise, je ne notifie que j'ai des dons. Bref de bardage, on va donc regarder la première technique et pour ça j'ai pris des notes rapides, c'est juste pour pas oublier. Donc la technique, je vous ai en l'occurrence évoquée, c'est le cold reading, ce qu'on appelle l'effet Fourier ou l'effet Barnum. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédemment, dans même plusieurs de mes vidéos. Alors, l'effet Barnum, c'est donc pour la voyance, donc le fait de décrire un portrait très généraliste et donc de trouver une image qui va correspondre à son client. Le client va lui-même faire la mise au point de cette image et va se persuader
qu'effectivement le médium ou le voyant a décrit la même image derrière, alors qu'on partait sur une image très généraliste. Ah, je vois. Je vois une couleur verte, là c'est dans la nature, il y a quelque chose de vert. Ah bah oui, c'est le jardin de mon grand-père. Ah bah c'est ça, c'est le jardin de mon grand-père. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ah, je prédis que chez vous, là je vois une petite boîte. Il y a comme une petite boîte, quelque chose. Alors, je sais pas si c'est une boîte numérique, mais il y a quelque chose dans votre salon. Oui, c'est carré, c'est quoi? C'est un cadre numérique, c'est une télévision, c'est une télécommande, peu importe. Bref. Ah, je vois que vous, dans votre enfance, vous avez effectivement un incident physique, moral, peu importe. Un client fera son image, il sera persuadé que l'image qu'il en a fait est celle du voyant ou du médium. Et pour pouvoir étayer mon propos au niveau de l'effet Barnum, un exemple plus concret, effectivement, c'est l'horoscope. Et pour ça, je vous invite à regarder la vidéo de Derren Brown, qui a fait effectivement un exercice extraordinaire, avec différents étudiants, un profil analysé sur chaque étudiant, et on s'aperçoit. Non, je ne vais pas vous le dire. Je vais vous inviter à regarder la vidéo. Et là, vous allez comprendre. I'm going to ask each of you to take a sheet of paper and to draw around your hand on the paper. That's what the pens are for. And when you've done that, to write on the paper your birth date, and if you know it, your time of birth as well, be very useful. And thirdly, to take some personal object that you have on you. Please don't choose anything that is immediately recognizable as being yours. You're going to put them into one of the numbered envelopes. It does not matter which one. Does that kind of make sense to you all? All done? Yes. Can I get somebody just to mix up all the envelopes and hang on to them so that person has all five envelopes as well? Remember your numbers, please, because that's the only way you're going to be able to write these envelopes away. And I will try and write a description of the personalities of the owners of those things, okay? Read the analysis. Derren mentioned that, of course, I'm very self-critical, so reading this sort of thing was very difficult for me anyway. It's unbelievable. I can't believe how accurate it is. I kept reading through the paper and all, saying, I can't believe he's analysed me so accurately. It does feel actually so personal. It's actually quite hard for me. I feel like, oh yeah, that's me. It's kind of astounding. I've always believed in something like it. This just kind of confirms it, but it also shocks me because I didn't think it would work so well. It's true, like all this stuff is true. I don't get stuff done because I don't like the idea of mediocrity, and that's so true. That's it right here. What the heck? It's so weird. It was shockingly accurate. Very likely this will lead you to having considered writing a novel, but the fear that you won't be able to achieve what you want stops you from getting it done. And I actually started writing a novel when I was 17 and had written several chapters but didn't finish it. Because like 40%. 85%. 90%. 99%. Right, start that again. Yeah, in fact, you have all got exactly the same reading. Oh my god, that's just so... Yeah, they are all exactly the same. People who claim to be psychic, people who claim to talk to the dead, it's as old as the hills. And if you think for a moment, actually, of how even more effective it would be if I was a psychic working one... Et donc là, vous êtes vite aperçu qu'effectivement, que sur un profil commun, que ce soit une banalité, sur un lieu commun, un fait, on avait tendance à le prendre pour soi. Et on est vite biaisé. Une des autres techniques utilisées par les médiums ou les voyants est de dire une chose et son contraire. En gros, l'ombre et la lumière. Espace ou confinement. Joie, tristesse. Ordre ou désordre. Quand on propose une chose et son contraire, fatalement. On a toujours raison. Une des techniques les plus utilisées aussi est les phrases interro-négatives. Vous n'êtes pas quelqu'un de très persévérant. Donc on a une phrase entre l'interrogation et l'affirmation. Cette phrase peut être donc comprise dans un sens comme dans l'autre. Soit dans la négativité, soit dans la positivité. Et donc le client va forcément renseigner instantanément le sens de la question pour lui. Je valide ou je valide pas. L'essentiel, c'est que ça valide. L'essentiel, c'est que ça valide. La paraphrase, en retournant une insertion du client sous forme de question avec d'autres mots, un voyant pourra donner l'impression que son idée
elle vient de lui. Et si vous avez regardé, par exemple, je prends parce que c'est quand même l'exemple le plus concret, la plupart des vidéos de Bruno, il utilise la paraphrase. Le client a donné l'information, il va le réutiliser avec ses mots à lui. C'est parce que le client a validé au préalable, peut-être 10 minutes, 20 minutes avant, que Bruno va pouvoir le réutiliser et donner que c'est lui qui a donné l'information et non le client. Il en est de même, évidemment, pour les voyants. On pourrait donner un exemple avec un voyant en disant « Ah, vous venez parce que vous avez un problème d'argent, d'économie, est-ce que je vais faire des économies sur l'année ?» Puis, « Ah, tiens, on va sortir une carte, on sort une carte. Je sens effectivement que dans l'année, vous allez avoir des difficultés financières. » Forcément, le client est venu pour ça. Il l'avait au préalable dit avant de venir au niveau de la séance. Sauf qu'effectivement, le voyant a paraphré, et donc a reformulé en indiquant que c'était lui qui avait trouvé l'information. Positiver. En effet, le client va plus se reconnaître volontiers dans un profil flatteur que négatif. De même que le client va préférer effectivement les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles. Et donc, si le voyant, par exemple, a prédit pas mal de choses en disant bah, « ça va aller mieux », etc. Et que demain, le client s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. S'il retourne voir son voyant, ce qui est surprenant, c'est que de s'apercevoir que les voyants ont tendance à dire que « oui, mais c'est vrai qu'en général, on essaye pas trop de donner des mauvaises nouvelles ». Donc si c'est des bonnes nouvelles, c'est bien, bah, ça valide. Et puis si aussi, au final, ce n'est pas des bonnes nouvelles et que la personne s'en aperçoit, bah, ça valide aussi parce qu'en fait, on ne l'a pas dit, c'était simplement pour vous préserver. Dans tous les cas, ça valide toujours. L'essentiel, c'est que ça valide. On pourrait parler aussi du hall wedding. On ne parle pas souvent. C'est, en fait, par rapport au call wedding, c'est-à-dire qu'on va effectivement aller chercher une information du client au préalable avant de venir effectivement en séance, que ce soit donc chez le médium ou encore chez le voyant. Je m'explique. Vous avez téléphoné. Quand vous téléphonez, moi j'ai une application, j'ai tout de suite votre nom, votre prénom qui apparaît sur mon téléphone. Si vous êtes de la région, il n'est pas très compliqué de vous retrouver. Très facilement. Et je peux vous le confirmer, mon ancien métier était dans l'assurance vie. Et en l'occurrence, j'étais enquêteur pour les personnes qui étaient décédées. Je devais retrouver effectivement les bénéficiaires. Il faut savoir que dans les contrats d'assurance vie, sur les anciens contrats d'assurance vie, souvent on avait juste des prénoms sur un bout de papier, limite une feuille blanche, où c'était marqué « à ma descendance, Marie ». Avec Marie, c'était un petit peu compliqué de retrouver. Est-ce que c'était sa fille, sa femme, etc. Je peux vous dire que ce n'était pas aisé. Mais effectivement, avec la technologie que nous avons aujourd'hui, on les retrouve facilement parce qu'avec Facebook, Internet, Google, les copains d'avant, il est très facile de remonter votre profil. Si vous ne parlez pas, Internet va parler pour vous. Je peux vous dire que un des outils que j'utilisais le plus souvent pour retrouver des bénéficiaires, Facebook, copains d'avant, mail, blog, Skyblog, j'en passe, et des meilleurs. Oui, si effectivement vous avez perdu quelqu'un, on peut facilement être attristé, le notifier sur Facebook. Je pense que Dana vous le confirmera. Et donc en spectacle, quand je fais un spectacle, effectivement, on peut utiliser du hall wedding. C'est-à-dire que effectivement, quand vous achetez un billet et que vous venez me voir en spectacle, et que les billets ont été préservé, vous avez payé effectivement via Internet, j'ai votre nom, prénom, et que je peux effectivement aller rechercher des informations si j'en ai besoin. C'est plutôt relativement facile. Et je peux l'utiliser effectivement dans le cadre du spectacle. En l'occurrence, je l'ai encore fait sur ma première du spectacle Imaginarium. Et puis, bah, puisqu'il faut que ça valide, on va parler de la validation subjective. L'essentiel, c'est que ça valide. Si un voyant va enchaîner une dizaine de propositions et que 8 sont fausses, le client va retenir uniquement que les 2 correctes. Étonnamment. Ah oui, parce qu'il faut que ça valide. Parce qu'en effet, les succès vont plus résonner que nos échecs. On retient plus facilement une réussite que des échecs. Au lieu de faire un listing du taux de réussite ou du taux d'échec, faire un listing, et eh ben, on va simplement retenir volontiers le taux de réussite. Se dire, bah, ah oui, mais ça le voyant ou le médium l'avait prédit.
Même s'il y a eu un taux d'échec. Ouais, ça, c'est pas grave, parce que ça, il l'avait vu. Il y avait 10 informations fausses. Il y en avait une bonne. Je vais retenir la bonne. Hein? Ça, c'est génial. On a un droit. C'est pas une science exacte. C'est même déjà pas une science. Donc, on peut se tromper. Et je vais prendre un exemple utilisé par Richard, mon voisin. Pas mon voisin, hein. C'est Richard, mon voisin. Bon, je sais, il fallait que je la ressorte, cette bague. Le voyant vous lance un avertissement. Faites attention aux accidents. On voit alors que 4 possibilités apparaissent. En effet, soit le client se souvient de la prédiction, soit il l'oublie. Et soit l'événement arrive, finalement, à plus ou moins longue échéance, soit ça n'arrive pas. Dans tous les cas, bah, si on ne s'en souvient pas, c'est validé puisqu'on ne s'en souvient pas. Si ça arrive, on s'en souvient. Si ça, on s'en souvient mais que ça n'arrive pas, bah, on pourra se dire effectivement que le voyant l'avait prédit. Dans tous les cas, ça valide toujours. Et pour valider effectivement cette petite vidéo, j'ai envie de vous parler d'Hario Dini, un magicien chez les médiums. L'édition est sortie cette année en français. Je suis effectivement un des premiers à l'avoir lu dès le jour de sa sortie. Et j'ai envie de simplement de vous dire cette phrase-là. Je suis prêt à me laisser convaincre. Mon esprit est ouvert, mais je crois que c'est mon devoir, pour le bien de l'humanité, de placer franchement devant les yeux du public les résultats de ma longue enquête sur le spiritisme. Hario Houdini. Effectivement, à la fin de sa vie, à la suite de la perte de sa mère, Houdini a fait une immense enquête sur le spiritisme. Des sœurs Fox jusqu'à Kardec, tout ce qui est lié à la médiumité, tout est démonté, prouvé, que rien n'est fondé. Et aujourd'hui encore, la famille d'Houdini garde l'immense secret qu'avait déclaré Houdini à l'époque, et aucun médium voyant à l'heure d'aujourd'hui n'est capable de dire ce qu'avait dit Houdini. Le secret reste encore scellé. Et à mon avis, c'est pas prêt de changer. Mais bon, ça, l'essentiel, c'est que ça valide. Oh.